d'une équipe soudanaise qui a joué, et puis on a déjoué, voilà. Là, le combo que tu vois, là, c'est... Ah, c'est pas compliqué, hein. 90 minutes, nous avons... On a juste vu 90 minutes d'une équipe soudanaise qui a joué, et puis on a déjoué, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, pas de concentration, pas d'envie, pas de détermination, complètement... à l'inverse de notre mentalité, de notre état d'esprit. On n'a rien voulu démontrer aujourd'hui. L'attaque a marqué deux buts. Hein. Ça fait longtemps, effectivement, que l'attaque n'a pas marqué autant de buts. Mais je pense que c'est un travail général. L'attaque a marqué des buts, mais défensivement, on a défendu toute la première mi-temps à cinq joueurs, c'est-à-dire les quatre défenseurs, et puis un milieu de terrain qui était là. Et il faut défendre tous ensemble. Là, ça a été une catastrophe parce que les attaquants ont été percutants 3, 4, 5 fois, mais défensivement, le travail n'a pas été fait dans la globalité. On ne peut pas prendre des buts comme on l'a pris. Tout le monde devient défenseur et j'ai pas vu cet état d'esprit chez nos attaquants, défensivement, chez nos milieux de terrain. Et malheureusement, on a eu une équipe très joueuse qui n'avait pas de pression et nous, on n'a pas su répondre à cette volonté de jeu. Non, vous voyez bien que les attaquants ont coordonné, bien évidemment. On a pris les risques offensifs. Ça fait partie du football parce que nous, on devait gagner pour espérer encore pouvoir se qualifier éventuellement. On a pris deux attaquants de pointe, c'est justement parce qu'on voulait prendre des risques. Et les risques, on les a pris. Effectivement, on les a changés. Non, on ne les a pas changés, ils étaient fatigués. Le numéro 9 était blessé et puis le capitaine, au moment, il ne donnait plus. Donc il fallait qu'au moins qu'on remette du 109 par rapport à ça. Et vous savez, les deux attaquants étaient là. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a finalisé. Et défensivement, on a été vraiment très bien. Si on vient pour gagner, il faut mettre des attaquants. Et effectivement, on a mis deux attaquants, ça libère un milieu de terrain. Et peut-être que l'engouement collectif n'était pas à la hauteur, mais je pense que si on avait été concentré, parce que les deux premiers buts qu'on prend, c'est de la concentration, c'est pas des erreurs tactiques, c'est de la concentration individuelle. Je pense qu'on s'est vu beau. Lorsqu'on a marqué le premier but, on s'est relâché un peu, c'est le gros problème. Et quand on marque le deuxième but, c'est pareil, une situation simple, un corner qui fait jouer à deux, personne ne réagit, c'est plutôt dans l'état d'esprit. Oui, si vous voyez bien, en deuxième période, quand ils font les changements, ils mettent un milieu de terrain supplémentaire dans secteur gauche chez vous. Donc moi, j'appuie sur le côté droit pour mettre un petit peu de vitesse dans les espaces parce que le petit 11 jouait plus à l'intérieur. Il y avait pas de, ils ont joué à trois défenseurs. Il fallait travailler sur un côté. De l'autre côté, Prestige Bumbu avait la percussion. Donc j'ai insisté sur le côté droit de chez nous, parce qu'il y avait cet espace, mais effectivement, dans l'axe, il n'y avait pas beaucoup de personnes pour recevoir ce ballon. Je pense que ça, c'est juste de la volonté, et c'est ce qu'on n'a pas donné. Ce match, on a vu une équipe qui joue au football avec du plaisir, et l'autre équipe qui jouait parfois, et trop compliqué pour jouer au football. Si vous avez remarqué, ce sont les mêmes joueurs quasiment qui ont joué. Ce qui n'a pas marché, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on était très déterminés contre l'Afrique du Sud et on était un peu moins, beaucoup moins, contre le Soudan du Sud. Parce que je pense que quand on est face à la difficulté, on a été présent. Et là, il y a eu du laisser-aller, du laxisme. Et il faut vraiment se dire que quand on joue au football, il faut toujours garder à l'esprit la volonté, parce que la volonté donne la qualité et la qualité donne la victoire. Nous, on n'a rien eu de tout ça. On a été moribond, on s'est caché derrière la chaleur, on était en retard sur tous les duels, tous les ballons au sol, c'était le Soudan du Sud qui gagnait les duels. Nous, on arrivait toujours en retard et ça fait la différence. Avec l'Afrique du Sud, on était premier sur tous les duels et on n'avait pas envie de perdre. C'est compliqué parce qu'on est venu avec l'intention de gagner.
on va faire la même chose qu'on a fait contre l'Afrique du Sud, quand on a pris 5 chez eux. Remettre le moral, c'est pas facile, mais c'est notre métier. Et quand on a un échec, il faut se reconcentrer. Et effectivement, on a beaucoup été triste. Vous avez dit un joueur à pleurer. C'est surtout parce que notre objectif était vraiment, vraiment de gagner ce match qui nous aurait permis de rêver encore et de faire rêver nos supporters la semaine prochaine. Non, c'est pas. Vous voyez, il ne faut pas se cacher derrière ce carton rouge. Ce carton rouge, c'est la conséquence du comportement qu'on a eu, qui n'était pas bon. On était en retard surtout. Ce carton rouge, c'est une suite d'erreurs, de petites erreurs et de manque d'envie. Parce que ce ballon-là, on a dans les pieds. Si on a vraiment le pied avec l'envie, il n'y a pas, on ne perd pas ce ballon et on ne prend pas ce carton. Maintenant, ça nous a déstabilisés. Oui, parce que c'est un de nos défenseurs cadres et surtout. On était parti dans l'idée de mettre un attaquant supplémentaire pour aller chercher ce but. Alors on était obligé de rééquilibrer le jeu et on a perdu un peu de pression. Mais ce n'est pas le carton rouge qui est à l'origine de cette situation, c'est juste l'état d'esprit qui a fait qu'on a eu ce carton rouge. Le manque de supporters aurait dû être à notre faveur, puisque les supporters viennent pour supporter leur équipe. Mais là, la chaleur, oui, c'est vrai que c'était difficile pour nous. La plupart d'entre eux jouent en Europe et là, il y avait quand même une température assez élevée. Hier, on a souffert à l'entraînement, aujourd'hui, le match. Mais je pense que si on avait couru un mètre de plus à chaque fois, c'est pas beaucoup. On serait très concentré sur l'agressivité. Je pense qu'on n'aurait pas eu à souffrir de ce climat. Et le climat, et ça peut avoir joué, mais... Les buts qu'on a pris, ce n'est pas le climat, c'est la concentration et sur une touche et puis sur un corner où il n'y a pas de danger, on se met en danger tout ça. Remix! Morocco, we are coming. The servant is valid. Savez-vous c'est qui à trois? Nous savons c'est qui à trois. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul surveillant. Ah, là, faut pas beaucoup parler. Ils sont pas d'humeur. Là, ils sont allergiques. Toi, tu vas taper sur moi comme ça et puis ça va retomber sur moi. Là, ils peuvent... Et ça me rouge. Contre la petite équipe du Soudan, la belle moi j'ai zappé ma gauche, je fais comment? Tout commence là, le Congo que tu vois, là, c'est là. Mais le Congo, le match qui nous reste, on a deux matchs. Si le Congo, attends. Si le Congo, et si c'est ça arrive avec le triangle isocèle, avec l'angle droit, qui est perpendiculaire au côté, qui est le match de l'Afrique du Sud et le match de l'Ouganda. S'il perd, le triangle là devient droit et nous, l'angle droit peut nous permettre de marquer les bombes. Maintenant, si là on n'arrive pas, il faut utiliser cette formule-là. Mais comment on va vous expliquer? Mais attends, oh, pas doucement aussi, non? Attends, donc ça veut dire que là, ce triangle-là, isocèle, ouais, nous avons ici là un prototype, voilà, qui nous ramène à cette formule X égale à B plus V sur B carré c'est moins sur 2A. Ça nous ramène ici avec le rectangle, le côté rectangle. Le football, c'est rectangulaire. Il faut comprendre les formules pour qu'on puisse jouer. Après, ça nous amène à A plus B sur parenthèse carré qui nous donne A carré plus 2 plus 2A moins B moins B. C'est tout. Mais là, ça, tu remplaces maintenant par l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Parce que le Soudan est déjà éliminé. Ce qui nous amène directement aux racines carrées et on gagne par 2 buts à 0. Maintenant, si on gagne par 2 buts à 0 ce match-ci, ça nous permet à ce que le dernier match contre l'Ouganda nous marque 3 buts parce qu'on va maintenant utiliser cette formule qui est fx 12 moins 2x sur x plus 1. Ça nous ramène ici. Chut, doucement, tu peux devenir fou.
je suis à côté de toi, ne crie pas. Hein, ça nous ramène ici, je dois te t'expliquer. Là maintenant, je ne sais pas la formule que tu dis. H2O intervient parce qu'ils ont besoin d'eau pour gagner ce match-là. Donc tu sais, l'énergie, H2O, qui nous donne le dioxyde de carbone, le CO2. Est-ce que les joueurs ont le CO2 nécessaire pour qu'ils nous permettent de gagner le match quand on joue contre le Soudan? Le Soudan, c'est pas un adversaire. Là, quand on aura le CO2, on a besoin du complément d'objets directs. Direct. Parce qu'ils peuvent être directs. Direct dans le match. C'est ça. Il faut qu'on espère que l'Afrique du Sud puisse perdre ce match-là qu'ils ont de jouer et que l'Ouganda puisse. Même un match nul, ça nous arrange. Parce que notre victoire nous amène directement à savoir est-ce que le croquis, les os des diables rouges, leur os sont suffisamment durs pour gagner ce match-là. Du coup, parce qu'on ne veut pas avoir des fractures des ligaments croisés. C'est ça! Dans l'autre là. Parce que si on a des ligaments, on ne peut pas. Est-ce que les diables rouges ont bien mangé l'œsophage des diables rouges, leur intestin grêle, est-ce qu'ils sont prêts? Ici, c'est le pancréas. Est-ce que le l'œsophage. Mais est-ce que le pancréas est prêt à supporter tout ce qui va arriver dans ce match? C'est ce qui nous ramène. Je comprends les kakirikas des joueurs. En fait, ils ne mangent pas bien. Voilà pourquoi il y a des kakirikas. Mais c'est ça! Est-ce que là, maintenant, si on prend le nitrate de sodium sur ça, est-ce que le prix du carburant va rester le même? C'est ça le carburant. Mais est-ce qu'ils ont eu suffisamment de carburant pour aller s'entraîner à Kintele? Parce qu'ils étaient à Kintele, venaient jusqu'à Massamadeba, il n'y avait pas de carburant. Je ne sais pas la distance qu'ils ont parcouru. Donc, on doit calculer la distance et le nombre de kilomètres qu'ils ont de parcourir pour ce match-là. Est-ce qu'ils sont partis au Soudan? Mais c'est pas toujours ça, je comprends pas, c'est pas toujours ça là. Calme-toi, tu peux devenir fou. Aïe. Maîtrise. C'est pas toujours ça, je sais pas. Maîtrise. Aïe. Arrête de voir le flou, on a pas fini les calculs.